trois quarts de siècle, la pampa argentine ne connaissait pas encore de barrières. Dans ces libres espaces vivaient des hommes libres, les gauchos, qui depuis des générations sont considérés comme les propriétaires. La race des gauchos qui ne connaissait que ses propres lois et qui n'obéissait qu'à son propre code a disparu. La pampa qu'ils aimaient est maintenant clôturée et cultivée. Le maigre bétail qu'ils élevaient a fait place aux bêtes brimées de l'Argentine moderne. Mais le souvenir des gauchos vit toujours au plus profond du cœur de cette nation. Manuel. Bienvenue, Miguel. Mon frère. Bernal, Frasco, Anastasie. Vous avez fait tout ce chemin pour moi. On n'allait pas te laisser dans ce corbillard. J'ai amené le cheval de ton père pour que tu rentres chez toi en vrai gaucho. Merci. Fiesta en ton honneur. Vous vous donnez trop de peine. Si un gaucho a peur d'une fiesta, c'est qu'il est bon à enterrer. Allez, danse-nous une vraie malampe. Laisse-moi te présenter à mes invités. Voici Manuel Penalosa, le gaucho des gauchos. Hein? Pour avoir la pleine saveur d'un asado, capitaine, on doit le couper comme un gaucho. C'est-à-dire? Montre-lui, Manuel. Mais faites bien attention à votre nez, il n'est pas dans le menu. Ce fonctionnaire de la ville, c'est un de tes amis? Les Garcia me l'ont amené. Ton père aurait lâché les chiens sur lui dès qu'il l'aurait vu à la grille. Il est notre hôte, Manuel. Excuse-moi, patron. Frère. Frère, oui. Est-il réellement votre frère? Non, mais mon père le considérait comme son second fils. On a appris à lire avec le même prêtre. Et c'est Florencio qui nous a initiés à la pampa. À notre nouveau patron. Santé et longue vie. À sa santé. Au patron, longue vie. Fotos. Non, Manuel, c'est un vaurien. Vaurien ou pas, il boira à la santé du patron aujourd'hui. Je bois quand ça me plaît. Alors, bois maintenant. Je suis venu travailler ici parce qu'on m'a dit que le vieux patron était un gaucho. Mais il est mort. Et son fils lui succède. Même les taureaux les meilleurs ont parfois de piètres veaux. Je déteste ceux qui rampent devant les gens de la ville. Je bois bien à sa santé. Peut-être que tu veux être leur chien aussi. À t'entendre aboyer, on sait que tu es un fils de chienne. Tiens. Il va te demander pardon. On ne pardonne pas ce geste. Ah, ça suffit comme ça. Arrêtez. Non, laissez-la. Allez, vas-y, Bruno. Allez, le patron vient. Manuel,
Vas-y, Manuel. Ça suffit. Toi, là, Manuel. Donne-moi ton couteau. Ils ont loyalement combattu. Peu importe. Ils connaissent la loi. Tu la connaissais, mon frère. Oui. Je la connaissais. Je ferai ce que je pourrai pour toi. Emmenez-le. Tout au sud, il y a une fille qui m'attend. Elle m'a donné son cœur. Moi, je doute des serments. Tout au sud, il y a le bonheur qui m'attend. Est-ce que c'est la seule chanson que tu connaisses? Tiens, tiens, tu as enfin retrouvé ta langue. Je n'avais rien à dire. Inutile de parler. Nous savons pourquoi tu es là. On dit que c'était un beau duel. Je voulais le marquer, pas le tuer. Il m'a obligé à l'abattre. Pas de chance, mon frère. Tu sais ce que la police me reproche? Je ferais probablement de jouer de la guitare. J'ai tué des hommes pour moins que ça. Mais si tu crois que tu peux faire mieux... J'ai appris que c'était pour moi que tu t'étais battu. Je t'en remercie, mon frère, mais la loi est la loi. Je ne pouvais pas intervenir, même si j'avais voulu. Et il n'y a qu'un mois que ton père est mort. Aurait-il empêché ton arrestation? Demande donc à tes gauchos. Et malgré la loi? C'était lui la loi ici. La loi était ce qu'il la faisait. Oui, c'est vrai, il ne respectait que les vieux usages. Ce qu'il respectait, je le respecte aussi. C'est-à-dire la loi du plus fort, n'est-ce pas? Le droit d'un homme de régler ses différends et de défendre son honneur. Et celui de ses amis. C'est à ça que ton père croyait. Pour son époque, c'était un grand homme. Mais le passé est mort, Manuel. Il n'y a plus de seigneurs féodaux. L'Argentine est une nation maintenant. Adaptons-nous. Mon père, en t'instruisant, t'a accordé un privilège. Pour tes enfants, l'école sera un droit. Oui. Le droit d'apprendre les bêtises des étrangers. Tu n'arrêteras pas l'histoire, Manuel. L'homme que j'ai tué était une brute, mais ce qu'il disait était plus sensé que ça. Je ne peux pas te forcer à comprendre. J'aurai le temps de réfléchir dans cette cellule. Tu n'y resteras pas longtemps. J'ai convaincu le capitaine Huerta qu'on t'avait imposé ce duel. Et tu pourras t'engager dans l'armée avec ceux qui ont commis des fautes légères. Merci. Je ne veux pas ta gratitude. Je veux ta compréhension. Bien. Je te remercie, frère. Quand tu auras fini ton engagement, tu retrouveras ta place chez moi, si tu la veux. Dieu te garde. Dieu te garde. Alors c'est ça ton patron. Je connais ce genre-là, mon vieux. Depuis les vêtements jusqu'au cidet, tout vient de cette maudite Europe. Je lui arracherai le cœur et je cracherai sur son calabre. Écoute, mon ami, c'est mon patron. Et je ne permets pas qu'on en dise du mal. Oui, mais tout ce qu'il vient de dire... Je sais qu'il a dit des bêtises, mais c'est mon frère, tu as compris? Oui. Allez, joue maintenant. Tout au sud, il y a le bonheur qui... Mais ainsi qu'un nuage s'envole au gré du vent.
Recrue, gardez-vous. Le major va passer l'inspection. Attends-moi que je fasse des soldats de ces gibiers de potence. Beaucoup d'entre vous estiment avoir de la veine de servir dans la milice au lieu d'être en prison. Mon travail consiste à faire de vous des soldats. Le vôtre est simplement d'obéir à mes commandements sans délai et sans discussion. Si vous vous rappelez cela, vous ne regretterez pas le temps que vous aurez passé à l'armée. Si vous ne vous en souvenez pas, vous déplorerez souvent de n'être pas resté en cellule. Qui est celui-ci qui a des yeux de condor ? Encore un gaucho, un barbare qui vient de la Pampa. Alors, gaucho, pourquoi es-tu ici ? Pour vol ? Banditisme ? Meurtre ? Ah oui. Le protégé de l'influent et très puissant Don Miguel Aldeondo, notre cher député, et qui doit être traité avec beaucoup de considération. Je ne demande pas de faveur. Bien parlé, gaucho. Tu connais la première règle du soldat. Ça me fera plaisir de t'apprendre le reste. Garde à vous ! À droite, droite ! Entrez. Fais attention, nom d'un chien. Ça va bien, sergent. Bien, major. Tout le monde va être en ordonnance, la soupe est meilleure. J'ai perdu mon appétit. Tu sais pourquoi je t'ai choisi ? C'est très clair. En tant qu'amateur d'histoire, tu m'intéresses. Tu me fais souvenir que c'est avec une poignée d'hommes comme toi que le père de notre pays, le général San Martín, a franchi les Andes et libéré la moitié d'un continent. Ce gaucho luttait pour la liberté, non contre elle. Oh, tu as mal lu ton histoire. La liberté pour un soldat, c'est celle d'obéir. Boutonne ta tunique. Ils étaient volontaires, pas moi. Je suis là parce que j'ai tué un homme. J'avoue que j'ai aucune prévention contre ça, car au fond, tuer, c'est mon métier. Mais là encore, c'est une question de discipline. C'est plutôt une question d'honneur. Oh, l'honneur est un mot qui a beaucoup de sens. Si tu as peur de te brûler, sers-toi d'une serviette. Imbécile, gaucho, je t'ai dit de prendre une serviette. Sergent! Je veux une ordonnance moins maladroite. Bien, major. Faites-lui distribuer 10 coups de compagnie. Oui, major. Quel motif dois-je porter, major? Inscrivez qu'il a volontairement mal interprété l'histoire. Oui, major. Bien, toi! Celui-ci, Manuel, tu as besoin de laisser guérir les blessures de ton dos. Les blessures guériront. Bien respect, major. Bravo, gaucho. Tu n'as rien à apprendre sur les chevaux, mais beaucoup sur la discipline. Un soldat est comme un cheval, il a besoin d'être bien dressé. Non, il me fait fusiller. Qu'est-ce que c'est encore ? Un certain exercice, je suppose, qu'il craint. Dépêchez-vous, c'est un raid. Les Indiens ont traversé la rivière. Allons vite, dépêchons. Troisième compagnie, rassemblement. Vous
Tu entends? La poule rappelle ses poussins. Il peut se fendre la gorge. Moi, je ne rentre pas. Tu veux dire que tu vas déserter? Oui. Mon frère, je n'aime pas plus le major Salinas que toi, mais tu sais ce qui arrivera s'il te reprend. Je sais ce qui arrivera si je reste. Fais pas cette tête, Falcon. Je suis pas le premier à déserter. Tu ne serais pas le premier qui serait repris et fusillé. Ils ne me reprendront pas. Où vas-tu aller? On dit qu'il y a des gauchos dans la montagne avec les Indiens. Nos ennemis, mon frère. Tu connais le dicton. Un taureau qui a faim mange des chardons. Dieu te garde. Bon, si tu es sûr de savoir ce que tu fais, Manuel. Absolument sûr. Vois-tu, j'ai déjà la mort d'un homme sur la conscience. Et je n'en veux pas d'autre. Alors, Dieu te garde. Mort. Oh, merci encore. Je devrais remercier Dieu aussi. C'est drôle de remercier Dieu pour la mort de quelqu'un. Où vous a-t-il capturé? À l'Estancia de Aldeondo. J'étais en visite chez eux. Don Miguel Aldeondo? Oui. Vous connaissez Miguel? Les Indiens ont attaqué l'Estancia? Non. Je faisais du cheval, toute seule. J'ai cru que c'était des gauchos. Seul à cheval? Comment Miguel a-t-il pu vous laisser partir seul? Je ne lui ai pas demandé la permission. Alors vous êtes idiote. Peut-être vaudrait-il mieux m'amener à votre officier. Je regrette, je n'ai plus d'officier. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas de soldats à 20 lieues à la ronde. Je suis déserteur. Quoi? Je ne comprends pas. Et je me demande ce que je vais faire de vous. Je ne peux ni vous emmener dans la montagne, ni vous laisser ici. Je pourrais suivre les cours d'eau en descendant. Savez-vous où vous êtes? Non. Savez-vous à combien de lieues est l'Estancia? Et dans quelle direction? Je vous en prie. Laissez-moi ici, allez-vous-en. Venez, je vais vous ramener. Thank you.
Non, bien sûr, vous n'en avez pas. Quoi? Je voulais un ruban pour mes cheveux. Tenez, savez-vous ça? Merci. Combien de temps ai-je dormi? Toute la nuit à cheval et toute la matinée ici. Il est presque 2 heures. Et vous? Suffisamment. Où sommes-nous? On a passé les forts dans la nuit. C'est ici que la pampa commence. Vous aimez la pampa, n'est-ce pas? Question idiote, car vous connaissez la réponse. Quand vous m'avez appelée idiote, j'ai été d'abord furieuse. Parce que je croyais que ce n'était pas vrai. Vous avez eu du cran pour une citadine. Merci. Est-ce que je peux dire à Miguel ce que vous avez fait? Dites-lui tout ce que vous voudrez. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Manuel Penaloza, celui qui l'appelle frère et qui est dans l'armée. Il vous a dit pourquoi? Oui. Alors vous savez que j'ai tué? J'ai des raisons de me féliciter que vous sachiez tuer. On ne mange pas les autruches, ce sont les amis de Gaucho. Et elles sont dures comme du cuir. Désolé, mon petit. Ce serait plutôt ma petite. Non, mon petit. With ostriches, the male hatches the egg. Il faut que vous dormiez. Nous partirons tôt, je veux être avant l'aube à l'estancia. Après cette nuit, nous ne nous verrons plus. Non. Parlez-moi de votre domaine. Mon domaine, lequel? La pampa. Vous en parlez en propriétaire. Ça appartient à tous les gauchos, depuis toujours. Dites-moi. Je n'ai jamais rien connu d'autre, ni désiré le connaître. J'ai fait des centaines de lieues comme Bouvier au nord, de Tucumán, la vieille ville espagnole, jusqu'au plateau, et à Salta, où les palmiers sont aussi serrés que l'herbe. J'ai été une fois au Chaco, où passent les grands fleuves qui descendent de la jungle. La chaleur vous enlève l'air des poumons et vous tue. Les mouches couvrent les chevaux comme un pancho. Et quand j'étais petit, je suis allé au sud avec mon père, en Patagonie, la région de la glace, où le vent balaye la pampa comme le balai de Dieu. Nous avons été là où aucun chrétien n'était passé. Au retour, les Indiens nous ont surpris. Ils ont tué mon père. J'ai pu m'enfuir avec un fer de lance dans la cuisse. Mais c'est ici la vraie pampa. Ici. Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Ici, on peut chevaucher 100 lieues sans tourner la tête du cheval. C'est la terre que Dieu donna aux gauchos. Et voilà que ces voyous étrangers et les hommes des villes nous la volent. Et Miguel, qui était mon frère. J'ai encore trop parlé. C'est idiot de parler. C'est idiot de ne jamais ouvrir son cœur. It is right that men should talk of what they love.
et que la femme s'y intéresse. Dans la Pampa, nous avons un dicton. Qu'importe comment elle vous sourit, une femme reste une femme. Et il y en a d'autres, et encore d'autres. Au moins autant que des étoiles. Il faut que vous dormiez. Très bien. Bonsoir, Manuel. Bonsoir. Teresa. Bonsoir. Tenez, je veux vous donner ceci. Prenez-le, Manuel. Oui, qu'est-ce que c'est? Sainte Teresa, ma patronne. Il faut prier Teresa. Et quand vous le ferez, pensez à moi. C'est plus solide qu'on ne croit. Dieu vous garde. Dieu vous garde. Celui-là, tu peux l'emmener. Je veux un cheval, pas de la viande. Je n'aurais jamais pensé que tu te laisserais pincer. Tu aurais dû savoir que nous patrouillons l'estancia. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je préfère économiser mon souffle. Il ne m'en reste plus tellement. Bon, tu m'aurais déçu si tu avais mendié pour ta vie. Celui-ci est un pur sang, Major. Un pur sang, c'est toi qui le dis. Combien? 300 pesos. Qu'en penses-tu, Gaucho? Ce cheval est taré. Son pâturon est enflé. Ça veut dire qu'il a boité et qu'il va reboiter en galopant. On m'a vendu ce cheval il y a 3 jours. Je ne voudrais pas que le major me prenne pour un... Un voleur? Bien sûr que tu en es un. Je m'y attends. Autant que je m'attends à ce qu'un gaucho soit honnête. Ce serait dommage d'être fusillé. Je suis de cet avis. Écoute, gaucho, j'ai une meilleure opinion de toi que tu n'en as toi-même. Je crois toujours que tu peux faire un soldat. Sergent Gomez? Ça suffit, sergent, je veux pas qu'on lui brise les os. Confortable, Gaucho? Me lis, j'ai souvent connu pire. Quand tu en auras assez, appelle-moi. Ici, et j'attends moi aussi.
Bien sûr, monsieur le député, faites votre rapport contre moi, mais je crois que le ministre de la guerre approuvera un soldat qui ne fait que son devoir. Ce n'est pas votre devoir de torturer cet homme. C'est mon devoir de le fusiller. Qu'obtiendrez-vous en le traitant ainsi? Un soldat discipliné, qui m'obéira comme il obéirait à Dieu lui-même. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la nécessité de la discipline. Vous pouvez essayer. Donnez-lui de l'eau. Écoute, le major Salinas m'a expliqué tout, Manuel, que c'était nécessaire. Et ça t'a semblé plausible? Je ne crois certainement pas à la torture, mais... Écoute-moi. À partir de ce jour, si je survis, je vais lutter pour mes frères. Entre-toi seul dans la tête, mon frère, pour les Gaucho. Ton père nous a dit... Peu avant de nous quitter, la tempête approche. Prenez un chef. Si vous n'en trouvez aucun, alors devenez-en un. Devenez-en un. Retourne à l'estancia. Où je fais feu? Où est mon cheval? Je ne sais pas où est ton cheval. Allez, va-t'en. Mon petit cheval, c'est le seul ami que j'ai. Qui est là?
Je me suis assez reposé. Vous m'avez dit de vous appeler. Ah, maintenant, c'est de la mutinerie. Un combat loyal, Major. Prenez ce couteau. Tu continues à me surprendre. Crois-tu que je vais me battre avec toi comme les ivrognes dans une auberge? Prenez ce couteau. C'est dommage, Gaucho. Je regrette de te tuer, mais tu ne me laisses pas le choix. La trace de notre homme? Non, mon lieutenant. S'il est venu par ici, nous avons dû le passer. Nous ne l'avons pas encore passé. En avant! Gaucho. Un soldat. Je suis un gaucho comme toi. Ah, oh, merci. Merci, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un serpent a fait peur à mon cheval. Il est tombé sur ma cuisse. Il m'appelle Valverde. Thank you.
Vous avez des nouvelles? Mauvaises. Ils abandonnent les recherches. Mais ça ne veut pas dire... Ces traces conduisaient au désert. Ça fait déjà 3 jours. Pour qu'il soit vivant, il faudrait un miracle. Il n'est pas mort, Miguel. Car j'ai prié pour Manuel chaque jour et chaque nuit. Dieu n'est pas si cruel. Si Manuel a besoin d'un miracle, Dieu fera ce miracle. Les rumeurs commencèrent à circuler dans la Pampa au sujet de l'activité de Gaucho Orlaloa réfugié dans les montagnes. Dans leur rang venaient les gauchos poursuivis par la justice et des déserteurs de l'armée. De plus en plus aussi, un nom était prononcé, celui de leur nouveau chef, Valverde. Bonjour mon frère, ça va? Où est-ce que tu emmènes tous ces étrangers? Ils vont travailler au chemin de fer. Au chemin de fer, hein? Et toi? Tu n'es pas étranger, toi? Les Anglais paient en or, et moi je suis pauvre. Attention le contremaître. Fous-le! Allez-vous-en, on ne vous a rien demandé. Écoutez-moi, nos couteaux ont soif de sang. Mais on ne les fera pas boire, pas encore. Seulement si vous osez revenir. Dites-le à vos frères et à vos amis. Et dites-le à ces messieurs du chemin de fer quand ils vous offrent de l'or. Et si on vous demande qui vous a chargé de dire ça, je suis Valverde. Tu vois quelque chose? On ne verra rien. Ça m'étonnerait que les étrangers osent montrer leur sale figure avant des mois. As-tu déjà vu les sauterelles envahir la Pampa, cachant le soleil, dévorant chaque brin d'herbe jusqu'à la racine? Avec ces gens-là, c'est la même chose. Quand les sauterelles sont parties, l'herbe repousse à nouveau, et le bétail redevient beau, et le gaucho a de la viande. Eux ne partiront jamais, et le gaucho mourra de faim. Notre époque est passée, Falcon. Je sais ce qu'il te faut, Manuel. Quoi? Tu devrais te trouver une petite China. Le chef, le vieux Rosas, a une fille belle comme une chrétienne et... Laisse-en manger. Je veillerai. Je t'apporterai quelque chose. Je n'ai pas faim.
C'est cette maison-là. Laissez-moi vous aider. Je m'aiderai moi-même, merci. Attendez-moi. Pardonnez cette intrusion et permettez-moi de me présenter. Je suis le chef de la police provinciale. Je m'appelle Salinas. Oui, le même. Depuis ma mise à la retraite, je me suis trouvé une autre profession. Veuillez vous asseoir. Merci. Voici ce qui m'amène. Je voudrais savoir si vous pouvez me renseigner sur Manuel Penaloza. Manuel est mort. Oui, la plupart des gens le croient. Jusqu'à ces derniers temps, j'en étais certain moi-même. Mais avez-vous entendu parler d'un homme qui se fait appeler Valverde? Le hors-la-loi? Oui. Qu'a-t-il à voir avec Manuel? Probablement rien. Mais Valverde, le vrai Valverde, était un homme de près de 50 ans, bien connu à Cordova. Une brute sans instruction ni intelligence. Valverde est le hors-la-loi à près de 20 ans de moins. Il est instruit, intelligent, audacieux. Il est apparu sous ce nom peu de temps après que Manuel Penaloza eut disparu sans laisser de traces. Ça peut être n'importe qui. Pas n'importe qui. Car peu de gauchos ont assez d'imagination pour faire ce que Valverde a fait. Brillant et méthodique, il a les qualités d'un chef. Que viens-je faire là-dedans ? Vous et moi avons tous deux des raisons, bien que différentes, de l'espérer vivant. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Ça prendra ou ça prendra pas. Tia Maria, tu es une gaucho, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Tu as entendu parler du hors-la-loi Valverde? Comme tout le monde. On dit qu'il a beaucoup d'amis. Je ne sais rien. Tu ne sais pas mentir, Tia Maria. Car tu mens, n'est-ce pas? Le major Salinas a raison. Oui, c'est Manuel. Oh, Tia Maria, essaierais-tu de le protéger contre moi? Ne vois-tu pas où est le vrai danger? Peux-tu le joindre? Ou lui faire parvenir un mot? Peut-être puis-je faire mieux que ça. Espérons qu'elle connaisse la route. Vous vous souvenez pas de nous? Et je me rappelle très bien.
Deux déserteurs qui seront sûrement capturés et fusillés. En avant. Valverde a l'intention de vous dire un mot. Et j'aurai quelque chose à dire, moi aussi. Oui, et Julio aussi. Hein, Julio? Je fais toujours l'erreur de te sous-estimer. Alors, Gaucho, est-ce que tu n'as rien à dire? Ben, Julio va le dire pour moi. De sang-froid? La dernière fois, tu m'offrais un duel loyal. L'époque a changé. Valverde est moins délicat que Manuel. Qu'attends-tu pour en finir? Tu n'attends sûrement pas que je m'en dis pour me sauver. Non. Ça me décevrait beaucoup. Alors il faut que je risque de te décevoir, Gaucho. Accorde-moi la vie. Je t'en prie avec humilité. Tu as donc quelque chose à faire avec ta vie? Oui. Ne crois pas que je ne puisse plus tenir une arme, bien que tu ne m'aies laissé que le bras gauche. Je voudrais vivre jusqu'au jour où je t'aurai au bout de mon revolver. Et je te promets, si tu es assez bête pour ne pas me tuer, que ce jour-là viendra sûrement. Pas avec ce revolver, Major. C'est sans importance. Est-ce que tu ne vas pas l'abattre? Non. Mais tu as entendu ses menaces? Oui, c'est un homme. Il l'est plus avec un bras que quelques-uns parmi nous avec deux. Je te remercie, Manuel, mais tu commets une erreur. Nous verrons. Tu as un bon bout de chemin à faire. Dieu te garde. Que te garde le diable. Mets-leur un bandeau jusqu'au campement. De venir. Alors je m'en vais. Sachant où est notre camp. Si vous n'avez pas confiance, il n'y a qu'à me remettre un bandeau. Oh, je suppose que je peux avoir confiance en Maria, c'est la mère de Carlo. Je vous remercie d'avoir confiance en la mère de Carlo. Manuel, je veux partir. Faire les Indiennes comme femme. Tout ce qu'elles demandent, c'est une bonne petite volée trois fois par jour. Monsieur le député. Bonjour, Major. Vous avez reçu mon message. Si le gouverneur veut des troupes fédérales, qu'il écrive au ministre lui-même. On a cru que comme vous étiez député, que vous alliez souvent à Buenos Aires, et étant donné les circonstances spéciales... Quelles circonstances spéciales? Une jolie jeune femme de la haute société a été enlevée. On est sans nouvelles depuis deux semaines. Cela cause tout un scandale, et on discute beaucoup sur votre propre position. Ma position, Major, sera dictée uniquement par ce que je considère être mon devoir. J'en suis persuadé. Parfait. Je dirai au ministre de la guerre que la police provinciale est incapable de venir à bout d'une poignée de bandits. Merci, monsieur. Très reconnaissant. Une seconde, Major.
Ces hommes sont des hors-la-loi, mais ce sont aussi des Argentins, et à leur manière, des patriotes. Il faut les prendre sans verser de sang, si possible, et les ramener pour être jugés. Je comprends. Je l'espère pour vous. Benedicat vos omnipotens, Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Le père Fernandez nous a appris à lire, à Miguel et à moi. Bonjour, mon père. Vous ne me reconnaissez pas? Si. Tu travaillais chez Don Silvano à l'Estancia. On t'appelle Manuel. Voici Teresa Chavez. Bonjour, señorita. Voulez-vous nous marier? Eh bien? J'aurais volontiers marié Manuel, mais Valverde présente un autre problème. Vous êtes gaucho. Et par conséquent, on peut compter sur moi pour défier la loi. C'est à Dieu que j'ai affaire et non à la loi. Je suis peut-être un hors-la-loi, mais... Sur tes mains, il y a du sang. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais tué qu'en combat loyal. Et qui juge de la loyauté de ces combats? Ce Dieu que tu invoques si librement? Mon père. Oui. Il a tué, c'est vrai. Mais il n'est pas mauvais. Vous savez comment il finira sa carrière? Fusillé contre un mur! Poum, poum, poum! Je sais seulement que je l'aime. Mais je ne l'aime pas, moi. Faut-il que je lui trouve aussi des excuses? Est-ce que le devoir d'un prêtre n'est pas... Vous êtes pire que lui, señorita. Au moins, lui, il n'essaye pas de me dicter mon devoir. Hé, hey, toi! Arrête un peu! Comment peut-on réfléchir avec tout ce bruit? Allez, maintenant! C'est bon. Tu as raison. Je ne peux refuser de vous marier. Tout de suite? Après ta confession. Enlève-moi ça. Attendez ici. Il y a combien de temps que tu ne t'es pas confessé, Gaucho? Il y a à peu près 3 ans. Ça va prendre pas mal de temps. Entendu. Des troupes en route vers la montagne. Mais ils ne nous cherchent pas ici. Regardez, ce sont des fontes de l'armée, je crois. Il y a des voleurs partout. Toi là, ce sont tes chevaux? Oui, mon lieutenant. Pourquoi as-tu des fontes de l'armée? Alors, tu vas répondre? Cavale! Excusez-moi, mon père. Pardon.
fédéral. Le mieux serait de passer par les montagnes pour gagner le Chili avant que l'école ne soit bloquée. Nous demanderons des mules aux Indiens. Il y a du travail pour un gaucho au Chili et on peut se marier là-bas. Et je te promets une chose, mon couteau restera dans sa gaine aussi longtemps que je vivrai. J'aurais dû prévoir que ce serait trop dur pour toi, trop dur pour une femme. Ce n'est pas ça, Manuel, c'est... Il s'agit d'autre chose. J'aurais dû t'en parler avant, mais... J'attendais qu'on soit arrivé au Chili. Thérèse, un enfant? Heureux, Manuel? Mon amour, quel homme ne le serait pas? Je peux continuer. Non, on n'y arrivera pas. Mais que va-t-on faire? Nous retournons, ma chérie. J'ai des amis parmi les Indiens. Peut-être irons-nous vers le sud, vers la frontière. Nous campons ici cette nuit.
Il est tard, il faut dormir. Était-ce pour nous que tu as prié? Non, pour celui qui ne peut pas prier lui-même. Notre enfant? Il ne sera pas notre enfant, Manuel. C'est pourquoi je demandais pardon à la Vierge. Parce qu'il n'aura pas de nom, c'est ce que tu veux dire? Il n'en aura jamais, si nous vivons parmi les sauvages, sans un prêtre. Il portera le nom de son père. On va retourner à la Pampa et voir le père Fernandez. Il te cherche partout, c'est trop dangereux, ils te tueront. Ça fait longtemps qu'ils me courent après. La police et la moitié de l'armée. Ils ne m'ont pas encore pris et ils ne m'auront jamais. Mais tu sais que... Dors maintenant. Dès qu'il fera jour, nous redescendrons. Nous sommes dans tes mains, Seigneur. C'est pour elle que je prie. Elle n'a pas fait de mal. Mariage. Je veux que tu partes. Je ne veux pas de violence ici. Mon père, j'ai mérité votre colère et votre mépris. Mais ne me renvoyez pas sans m'avoir entendu. Pas Valverde. Manuel. Ça va bien, Manuel. Tu peux parler. N'avance pas, femme. N'as-tu aucun respect? Avez-vous vu passer un homme? Un gaucho? Emmenez-la.
Manuel. Il faut t'enfuir. Par ici. Occupez-vous d'elle, mon père. Oui, compte sur moi. Je lui écrirai. Vous êtes dans la maison de Dieu. Entrez. Oh, entrez, Miguel. Où est Manuel? Je l'ignore. Inutile, je viens de voir le père Fernandez et il m'a tout raconté. Où est-il, Teresa? Je vous en prie, ce n'est pas en mentant que vous l'aidez. Écoutez-moi, j'ai vu le gouverneur. Si Manuel se rend, il n'aura qu'une condamnation légère. Pas plus de 3 ans, en tout cas. Étant donné les circonstances, c'est une offre généreuse. 3 ans en prison? Il faut qu'il paye sa dette, mais après, il sera libre. Il le sera entièrement, vous comprenez? Ils sont prêts à passer l'éponge. Comme vous le connaissez mal. Je le connaissais mal, moi aussi. Mais après avoir vécu avec lui comme sa femme, je sais exactement ce qu'il pense et ce qu'il croit. Il n'est pas comme nous, Miguel. La liberté n'est pas qu'une idée, une théorie pour Manuel. Il ne pourrait pas vivre sans sa liberté. Vouloir l'emprisonner est aussi fou que d'essayer de retenir le vent des pampas. Laissez-moi lui poser la question directement. Laissez-moi lui offrir le choix. Sachez que s'il ne vient pas se rendre, on le poursuivra comme une bête sauvage. Salinas est là pour ça. Dites-moi où il est. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Alors vous le condamnez à mort. Donnez-moi au moins le temps Salinas de prévenir. Salinas ne perd pas de temps. Oh. Si vous l'aimiez vraiment, Teresa. Oh. Vous pouvez le protéger de Salinas? Oui, bien sûr. Et personne ne le saura? Ayez confiance en moi. Vous comprenez? Si jamais Manuel n'acceptait pas, j'attendrai son appel pour le rejoindre aussitôt et mener la vie qu'il choisirait pour nous, quelle qu'elle soit, et si courte qu'elle puisse être. Oui, je comprends. Il est dans votre estancia, chez le vieux Florencio, au campement, près de la rivière, après le village de Santa Elena. Je vous remercie. Vous ne le regretterez pas. Oh. Suivez-le, mais ne vous faites pas voir. Comment m'as-tu trouvé? C'est sans importance. Manuel, écoute-moi. C'est ta dernière chance. Sergent, restez ici avec vos hommes et gardez ce côté. Les autres, suivez-moi! Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour Teresa et l'enfant qui va naître. Que deviendront-ils? Je m'en occuperai. Comment ça? Veux-tu les condamner à vivre en fugitif, s'attendant à te voir abattu sous leurs yeux? Ça suffit, mon frère. Tu leur offres? Est-ce que tu veux leur faire payer ta liberté en sacrifiant leur vie? Tu viens un peu tard, tes amis sont là. Manuel, attends! Thank you.
Manuel, oh, je savais que tu viendrais. Miguel est mort. Je sais. Florencio est venu me dire ce qui s'était passé. Il t'a raconté sa mort? Oui. Il était né gaucho. Il est mort en gaucho. Quand on campait ensemble dans la pampa, il adorait voir le soleil se lever. Il disait que Dieu nous en trouverait son paradis. Maintenant, il y est entré. Tu es fatigué. J'ai galopé toute la nuit, en pensant. Il ne faut penser qu'à toi, maintenant. C'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas aimé ces pensées. Un par un, je les ai détruits. Tous mes amis. Parce que je n'ai pas voulu entendre raison. Parce que je n'ai pas compris. Miguel a essayé de me faire comprendre. Et toi aussi. Et même Salinas a essayé à sa façon. Vous aviez tous raison. Et j'avais tort. Il est trop tard pour te faire des reproches, Manuel. Le passé est le passé. Il faut songer au présent. Salinas va sûrement savoir que tu es ici. Il faut que nous partions tout de suite. Où ça? Partons en ville d'abord. J'ai des amis qui nous cacheront chez eux. Ensuite, nous prendrons un bateau. Pour le Brésil ou l'Europe. As-tu toujours peur? Pour toi. Miguel n'avait pas peur. Voici quels sont ses derniers mots. Juste avant de mourir pour moi, il m'a dit « Il ne faut pas vouloir faire payer aux autres sa propre liberté. » Il voulait dire que personne ne peut être libre en détruisant ce qu'il aime. Voici ce qu'il faut faire. Tu viendras à midi à la cathédrale, toute seule. Manuel, où vas-tu? Fais-moi confiance, mon aimé, et viens. Vous m'avez fait demander mon père. Êtes-vous chrétien, Major? Oui, je prétends l'être. Alors vous savez ce que notre maître nous a enseigné, la plus grande de toutes les vertus est la pitié. Vous êtes prêtre, je suis soldat. Et un soldat ne saurait pardonner à ses ennemis? Il y a des choses qu'aucun homme ne peut pardonner. C'est vrai. Aucun nous ne peut être aussi fort que lui. Nous sommes humains et nous sommes faibles. M'avez-vous appelé pour me parler de ma faiblesse? Non, Major. Pour vous donner une chance de prouver votre force. Comme Manuel prouve aujourd'hui la sienne, il est venu à la cathédrale de sa propre volonté, sans armes, sans ses compagnons. Pourquoi? Parce qu'il le doit à ses amis qui sont morts pour lui. C'est une raison qu'un soldat est capable de comprendre. Je crois qu'il ne reste plus rien à dire, Major. C'est à vous de décider de son sort. Alors, Gaucho, je partirai avec vous après la cérémonie. J'attendrai.